Rasta Liviti est une série documentaire inédite qui explore profondément le mode de vie Rasta et tout ce qui l'entoure. Animé par Dada, un Rasta passionné et authentique, parfois accompagné de son fils Noah. Chaque épisode de l'émission plonge les spectateurs dans la culture, l'histoire, la philosophie, la spiritualité et le mode de vie des Rasta, en mettant l'accent sur le vitalisme Rasta, les traditions et coutumes et surtout la sagesse de cette communauté unique. One Love, c'est Dada pour toi et toi. Bienvenue dans le tout premier épisode de Rasta Liviti. Yes, this is good, Rasta Liviti. And the nation of the Almighty. Africa is our destiny. I tell life is free. Good, Rasta Liviti. Rastafari Liviti. Épisode 1. 3x10 idées reçues sur les Rasta. Tout comme moi, vous avez sûrement déjà vu ce genre de cendrier, ce genre de bibelot décoratif, ce genre de carte postale, ou encore ce genre de peluche. Eh oh, vas-y, commence. Aujourd'hui, nous allons explorer 3x10 clichés ou plutôt idées reçues sur les Rasta. C'est parti. Chapitre 1. Comment la société nous voit. 1. Les Rasta sont tous feignants et ne veulent rien faire de leur vie. 2. Les Rasta sont tous des fumeurs de marijuana. 3. Les Rasta sont violents et ont tendance à se battre. 4. Les Rasta sont tous adeptes de la sorcellerie et de la magie noire. 5. Les Rasta sont tous des paresseux et refusent de travailler pour gagner leur vie. 6. Les Rasta sont tous des délinquants et des criminels. 7. Les Rasta sont tous des fanatiques religieux et imposent leurs croyances aux autres. 8. Les Rasta sont tous des fêtards irresponsables qui ne se soucient pas des conséquences de leurs actes. 9. Les Rasta sont tous incultes et ne possèdent aucune connaissance ni éducation formelle. 10. Les Rasta sont tous désorganisés et ne savent pas gérer leur propre vie. Avant de poursuivre, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à nous suivre un peu partout sur Internet. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification lorsqu'il y en a une. Rejoignez-nous dans cette expérience unique et découvrez la véritable essence de la vie Rasta. Chapitre 2. Nous sommes confondus avec des babacools. 1. Les Rasta sont décrits comme étant toujours vêtus de vêtements colorés et dépareillés avec des motifs africains et des rayures aux couleurs de l'Éthiopie. 2. Ils sont souvent représentés avec de longues dreadlocks. 3. Les Rasta sont souvent représentés portant des chapeaux, gros bonnets ou bérets de différentes formes et tailles décorés de vert jaune rouge. 4. On les dépeint souvent avec de grandes lunettes de soleil colorées qu'ils portent même lorsqu'il fait nuit. 5. Les Rasta sont souvent décrits comme étant constamment accompagnés de leur djembé ou de leur guitare qu'ils utilisent pour jouer des chansons de reggae. 6. Ils sont également représentés avec un énorme sourire permanent et un air paisible, montrant ainsi leur attitude détendue et leur amour pour la vie. 7. Les Rasta sont souvent dépeints en train de fumer de grandes quantités de marijuana. Dis-moi, Dada, tu n'es pas en train de te répéter ? Ah bon ? Tu en es sûr ? Ben oui. Tu en as parlé dans le premier chapitre. J'en reparle parce que c'est vu comme symbole de leur culture et de leur spiritualité. Autant pour moi. C'est pas grave. 8. On les décrit parfois comme étant en constante méditation, se tenant dans des positions relaxantes et les yeux clos. 9. Les Rasta sont souvent représentés en train de bavarder avec des animaux, montrant leur connexion profonde avec la nature. 10. Ils sont souvent perçus comme étant des défenseurs de l'égalité sociale et de la paix, portant des messages pacifiques sur leurs vêtements et accessoires.
Chapitre 3. Nous serions tous pareils. 1. Tous les Rastas sont jamaïcains. 2. Tous les Rastas fument du cannabis. Non mais je rêve. Il en reparle encore. 3. Les Rastas sont tous des musiciens. 4. Les Rastas ont tous des cheveux longs et des locks. Tu te répètes ? 5. Les Rastas sont des rebelles et des marginaux. 6. Les Rastas sont tous végétaliens. 7. Les Rastas sont tous pauvres. 8. Les Rastas ne croisent en aucune autre divinité que Haïlé Selassie. 9. Les Rastas sont tous des adeptes de régimes naturels et des médecines alternatives. 10. Les Rastas sont tous des activistes politiques. Tu aurais pu dire, les Rastas font beaucoup d'enfants. Bien, ce sont tous des dealers, au lieu de répéter plusieurs fois les mêmes choses sur les dreadlocks, etc. Ouais, je sais. Mais bon, j'ai quand même une excuse, vu que c'est ma toute première vidéo du genre, j'essaierai de ne pas me répéter dans le prochain épisode. Ouais, bah on verra. Chapitre 4. Conclusion. 1. Bien que le mouvement Rastafari ait vu le jour en Jamaïque, il compte aujourd'hui des adeptes dans le monde entier, comme en attestent ces images. Guadeloupe, France, Mali, Inde, Sénégal, Japon, Martinique, Royaume-Uni, Brésil, Italie, Côte d'Ivoire, Allemagne, Maroc, Pologne, Corée, Zimbabwe, Colombie, Île Maurice, États-Unis, Guyane, Portugal, Canada, Mexique, Haïti, Cuba, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Tunisie, Guinée, Gabon, Congo, Cameroun, Pays-Bas, Indonésie, Espagne, etc. Nous aurions pu rajouter l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Soudan et de bien nombreux autres pays. D'ailleurs, en Nouvelle-Zélande, le Parlement a même un membre qui a la foi Rastafari. Thank you, Madam Speaker. I give thanks and praise unto the Most High Jah Rastafari. I give greetings to all in the name of the Holy Trinity, the Almighty Father, the Divine Mother, the Child, that is love made life. What? 2. Alors que certains Rastafariens utilisent le cannabis à des fins spirituelles, tous n'en consomment pas. 3. Bien qu'il y ait de nombreux musiciens Rasta célèbres, tous les adeptes ne sont pas des musiciens. 4. De nombreux Rastas affichent effectivement des cheveux longs locksés. Ce n'est pas le cas pour tous. 5. Bien que certains adeptes aient adopté un mode de vie alternatif, tous ne sont pas des rebelles ou des marginaux. 6. Alors que certains Rastas suivent un régime végétalien, d'autres peuvent consommer du poisson. 7. Bien qu'il y ait des Rastas qui vivent dans la pauvreté, il y en a aussi qui mènent une vie aisée. 8. Bien que Haïlé Selassie soit considéré comme une figure centrale dans le mouvement Rasta, il y a des adeptes qui intègrent d'autres croyances religieuses dans leurs pratiques. 9. Alors que certains Rastas attachent de l'importance au régime naturel et aux médecines alternatives, tous ne les adoptent pas forcément. 10. Bien que certains Rastas soient engagés politiquement, tous n'ont pas nécessairement une implication politique marquée. Ainsi s'achève 3 fois 10 idées reçues sur les Rastas. Tout premier épisode de la série documentaire francophone Rastafari Levity. Dans le prochain, nous allons retracer l'histoire, le mode de vie, la spiritualité, la sagesse et la connaissance des Rastas à travers les âges. En 10 minutes, nous vous emmènerons dans un voyage fascinant à travers le temps. De la découverte de la Jamaïque à la naissance du mouvement Rasta.
Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la partager, la télécharger, mettre un pouce en l'air, vous abonner, sans oublier de cliquer sur la cloche de notification, lâcher un commentaire, nous y répondrons. One love.